à suivre en permanence. Actualité ici en République démocratique du Congo, lors du Conseil de ministres du vendredi dernier, le président de la République a institué ou a initié la suspension de tous les titres forestiers ou de toute concession forestière qui présente des irrégularités. Il a ordonné à la ministre de l'Environnement de pouvoir enquêter et lui faire part de informations selon lesquelles 60% voire plus de 60% de l'espace forestier congolais serait déjà entre les mains des étrangers et qu'il ne nous restait que 40% ou 37%. On y revient parce qu'il y a des kabylistes avérés qui ont contribué à ces basculements, à ces renversements, un peu comme de la sicomine, mais cette fois dans les domaines forestiers. On y revient avec des détails de ministres de l'environnement qui se sont succédés depuis Matata Ponyo jusqu'au gouvernement Ilukamba, parce que c'est lui qui a été lors du gouvernement Ilukamba qui est au fait accusé, et c'est à cause de lui que la réunion qui s'est tenue hier ou le vendredi dernier plutôt a été sanctionnée par la suspension de ces titres forestiers là. C'est tellement grave parce que les partenaires étrangers, les partenaires occidentaux en général, il y a Congo, Bazali, Baza, pour s'insurger parce que la RDC a s'est basée sur Bablokona pour Nagosa, la promesse et le partenariat. Maintenant, ils réalisent que le Congo ne possède que 30% sur les 100%. Les restes de pourcentage n'appartiennent plus à la RDC depuis plusieurs années. Le président de la République, qui s'est basé aussi sur des informations et des enquêtes qui ont été publiées, des résultats des enquêtes qui ont été publiées par l'IGF en 2022, il s'avère que c'est réel, que le Congo a perdu plus de 60% de son espace forestier. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qui sont impliqués de manière directe ou indirecte dans cette question qui est tellement sensible parce que ça peut nous coûter cher à tout moment? Mais aussi le dossier Jean-Pierre Bemba avec l'insécurité à l'est de notre pays. Tout ce que vous voyez, opposition à Salim Boye, opposition à Lobby Boye, à Kanisa Kiboye, et ça, au fait, résultante, et à échec, il y a complot contre la République. Alors, des mesures ont été prises pour sécuriser la nation, peu importe, banane et état, maintenant, mais on va voir. Et la vérité ici est que ce qui est en série, c'est que nous libre été deuxième mandat aussi. Alors, vous voyez, il y a déjà vision, Toko ba kubungila mboka, bitumba ezali minene. Ezali minene makasi po na katikati na biso peuple congolais. Batu oyo bazali pour banguna bazali. Batu msuto zana bangusto oka nisake bazana biso zoka ande bango travaye po na banguna. Alors esengeli, biso ba kolomboka tosa anini, tosa na bomoko, tosa apena na détermination. Toye ba kosa la part de choses. Ne soutiens pas quelqu'un que tu maîtrises pas les contours de ce qu'il est. En tout cas, ne soutiens pas les gens qui nous ont apparu comme dans un rêve comme ça. Non, 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 non. Ne soutiens pas des gens qui ont du mal à retracer leur origine. Parce que c'est ça le problème. Tout part de l'identité. Tout part de l'identité. Il y a des gens qui ont pris des noms congolais juste pour se camoufler derrière la nationalité congolaise, profiter des biens du Congo, profiter des postes ministériels ou des postes dans n'importe quel domaine de la vie au Congo ici pour pouvoir enrichir son pays d'origine, le pays avec qui il est attaché ou le pays pour qui il a prêté serment de pouvoir servir jusqu'à à sa mort. Mais comme nous, Congolais, on n'a pas l'habitude de fouiller tout ça, on se retrouve un peu comme emprisonné derrière ces gens-là parce que soi-disant, après ça qui est 10 000 francs, ton 10 dollars, ton 1000 dollars, ça ne représente rien par rapport à l'engagement que tu dois avoir vis-à-vis de ton pays. Article 63, il y a constitué un bon aviso, ils ont dit pour les. Quand tu as un bon aviso, tu n'as pas le droit de soutenir Banguna. Tu as l'obligation de soutenir un bon aviso. Et surtout dans la période actuelle, tu as traversé un bon aviso. Banguna va se bongama. Pour la zone de 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 la
Au moment où le Congo prend, fait des promesses, le Congo prend des engagements, le Congo signe des partenariats avec des pays étrangers qui, eux, à leur tour, tiennent au respect de ces engagements pris par le Congo. Maintenant que le Congo réalise que l'engagement va jouer, qu'ils allient, comme il y a miné les possibilités à ça, parce que le moyen qui va utiliser pour respecter l'engagement, toi, Kabila, si, va dépouiller. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est que non, c'est naïf. T'es, Kabila, université à Kara, voilà tout les abouzoba. Je vois les gens tellement distraits que ça me fait mal quand il y a des gens qui rigolent partout là. Bah, je vois les gens s'insulter dans TikTok par exemple. Oh, y'a fini Okuna, Okuna Zong ici, tout ça. Il y a des gens qui viennent dans les commentaires qui mettent en tout cas, on a raison, ma chérie. En tout cas, moi, na maman, penza qui t'a. Donc, un pays avec des gens hyper distraits, et au moins la moutou, à quel type comme mon con n'a pas parents. Après, surtout qu'il y a pas de l'eau, ah, n'a pas qu'à avoir quoi ni pas à qui a tiens, mais gars, n'a pas mon aïe moko. Pour être abandonné dans les basses, n'a TikTok, abandonne le bac à on tient quand même la TikTok, ouais. Non, réfléchis à ce que tu peux apporter de plus pour ta nation, qui peut d'une manière ou d'une autre changer ta vie. C'est ça le problème. Quand on demande à les Chinois, bah, ça va innovation, oh, bon, bah, ça va avion, bah, ça va minou, qui nous, on est là. TikTok, Kobin Saloketo, Kotia Basuki, Kotia Sokache Kabila Milaye, ma chérie, ouais, ça Kabila, ce qui est nouveau modèle, ce qui nini, on n'a pas besoin de ça. Si tu n'as rien dans ta tête, que tu aies un nouveau modèle ou pas, ça ne représente rien pour le Congo. C'est ça le problème. On a battu un million d'abonnés pour rien, alors qu'il n'a aucun message qui soit défini, qui soit concis, qui soit clair et qui apporte un changement. Ils sont là pour s'insulter et parce qu'ils s'insultent entre elles, les filles congolaises là, des bras aux abonnés. Il y a un bon moment où on a tellement maillé l'été. Bon, excusez-moi, on a tellement maillé l'été qu'on a facilité à ce que Kabila soit dans le monde. Parce que il y a vu na yache moulongote. Du coup, tout ce qu'on lui dit de l'extérieur là, bah, la foi vient de ce qu'on attend. Alors, tant qu'on a eu un cas, on a vérifié. Mais à l'heure où je vous parle, là, le pays risque gros. Tu as eu un engagement, on a mis tout le monde satisfaire dans le côté, tout le monde rempli dans le côté. Pourquoi? Parce que, bah, Kabili, c'est bah, Ibi, bah, Nzete, bah, Zamba, Forêt à Congo, bah, Teki en gros. Aux hommes, oh, Forêt équatoriale, tu mets à Tolawa, oh, t'es bassin du Congo, oh, t'es Forêt équatoriale, tu l'es qui Amazonie, ouais, bon, tout ça, la même chose n'est plus le cas. Ouais, Amazonie, vous les avez morts, on les a ravagés, et ça, climat, les a ravagés. Mais ouais, absolument, les battus, les bas, ravagés. Ils vont diriger le monde avec. Mais nous, on trouve ça comme atout pour voler. Quand je vais vous dévoiler les chiffres ici, je vais citer tous les noms de tous les ministres qui se sont succédés de Matata Ponyo à Ilukamba. Pour que vous compreniez que vous devez cesser de soutenir des gens qui dépouillent les pays, qui volent et qui détruisent l'avenir de ces grands pays. Hein? Non! Non! Toi, tellement moussika, ton les problèmes, c'est ceux qui nous dirigent. Non! Nous contribuons à leur échec. Nous les soutenons dans leurs échecs là. On ne reproche rien à personne. Et du coup, ils croient qu'ils ont raison en faisant ce qu'ils sont en train de faire. Non! Neti boye ba nyamugabo, nyamugabo te nyamugabo, Claude nyamugabo, asoka avoka so penan. Hein? Azati yende mouto yo ate ki plus d'un million d'hectares. Na ba Rwandais qui ont quitté Goma, qui ont acheté dans les Maïdo. Bon, on comprend, quand est-ce que ça, nous m'akambo, nous m'on a l'okwa ke, et zama se ki, te tika te balo ba, yo za mouto a pouvoir. C'est normal si je suis mouto a pouvoir, wapilikam. Wapilikam. Le problème c'est que vous ne digérez pas les vérités qui sortent de cette chaîne. Il y a un gros bâquet, Azam ton pouvoir, Azam ton opposition et Talibino. Des Rwandais qui ont habité Goma, ont quitté Goma pour acheter 1 500 000 hectares à Zamba, na Maïndombe. Aujourd'hui, pourquoi on est surpris au monde d'insécurité? Pourquoi on est surpris? Nyamugabo nous doit des explications. Nyamugabo nous doit des explications. Parce que là, peuple congolais, le président de la République a eu ma information que. Bah, entreprise, ouais, ou t'as qui gomme, et qu'on soit, bah, espace, ou anna, ma, il tombe, au fait, comme on a, ouais, ou anna, t'es basu, comme on a le kouta. Donc, basu, comme on a, ils ont ressemblé à Congolais, alors qu'ils ont, comme, ils ont, bah, contre, bah, t'en, ils ont, y'a un côté. Donc, bah, ça dit, fausse identité. Au moins, là, ah. Mais les gens ne voudront pas qu'on parle de ça, parce que, bah, nous, tout ça, bah, au plaisir. Bah, quand c'est la vérité, c'est un mensonge du siècle. Hein? Y
Yango tu sais que dans le bâton, nous sommes dans le bâton dans l'église dimanche, on a tout ça, mais là, pour nous dire en boca. Sagesse ou estengeli. Parce qu'il ne faut pas seulement dire que tu as un cabinet, non, il y a aussi des tshisekedistes qui veulent aussi tuer les pays. Alors si Dieu lui donne la sagesse de pouvoir s'en débarrasser, il ressent qu'il y a de la différence dans le bateau de Jemboka avant hier comme Awan. Au monde, tout le monde a vu ce qu'est la vérité. Mais les Kamboza, les Kambouya sont mon peuple congolais. Les Kamboza, les Kambouya sont mon. Ah, tu vois que le baba américain, bazo comprendre les sous-soutés. Bazam, bango, tu signes qui ma kamboya déforestation, tout le monde ici, en gros, F. Bazaï, Batangwa, Zubo, Kondina, ministère, Awan, et donc, à l'Ibosse, Zaki, pour lutter contre la déforestation, en plantant chaque Congolais à ta, Nzete Moko, à la Saki, projet Moso qui a, un mois, mille arbres, ce qui n'est ni Bablo, Moko, à Bongo, ce qui un million d'arbres, cinq ans, ce bloc, Moko, à Bongo, à Bandaki, pour ça, ni, pour combattre la déforestation. Mais vous savez quoi? Bazambango, tu as tout la forêt équatoriale. Tu as sous les deux côtés. Sur les 100% de la forêt équatoriale, le Congo ne possède actuellement que 30%. Plus de 60% sont détenus entre deux mains des étrangers, des organismes, des entreprises qui les ont achetés, pas par des moyens légalement établis en République démocratique du Congo, mais qui ont acheté ça de gré à gré auprès des ministres qui se sont succédés depuis Matata Ponyo jusqu'à l'arrivée du président de la République 2019-2021, tant que ça m'a donné le pouvoir. Donc, tous ces ministres-là de l'environnement, il y a même un qui n'a fait que de l'intérim de 6 mois, qui lui aussi a participé à la vente irrégulière de gré à gré, madame, messieurs, de 3 à 6 forêts. Sans que l'État ne bénéficie de rien. Et Banito le Bangote. Maintenant, les Américains veulent résilier tout contrat tendant à financer le Congo par rapport au réchauffement climatique, par rapport au problème climatique. Parce que Moyoka qui na G20 et Samak na 2021, Fatia Kendaki Ango, na c'était encore où na Edimbourg. Na Wapi. La Grèce, ceux qui n'ont cherchez-moi les pays et mettez en commentaire s'il vous plaît. Fatia Kindaki Ango. Et Bongi Samaki est le Congo pour financer à hauteur et à bas milliards de dollars américains pour préserver le peuple congolais. Pour préserver. Où ils allaient forêt équatoriale, mais aussi bassin du Congo, où ils allaient poumon et monde, parce qu'Amazonie est commis deuxième après Bissou. Amazonie est commis deuxième. Alors, pour nous préserver, il faut permettre que le Congo soit toujours en mesure d'absorber la pollution. Même si on n'est pas d'accord parce que bah, bon, ça va pollution, mais surtout absorber, ça n'a aucun sens. Mais au moins, je vous relate ce qui a eu lieu avant de critiquer bah, tout ça. Donc, Congo a absorbé. Écosse, merci beaucoup. Congo a absorbé la pollution, on a pour nous préserver le climat. Donc, Congo a le rempart dans le monde entier. Par rapport à Nini, par rapport à pollution climatique, topé réchauffement climatique, n'y a pas de dégâts et bien à Mokili. Alors des millions, Boris Johnson, Oaza, qui est ancien premier ministre, il y a Angleterre, qui est à ça, Nini, a y a na Congo pour na concrétiser projet avec le gouvernement congolais. Parce que le président avait plaidé pour un financement colossal à la hauteur et à défi au Bansinga Congo. Na kati ya financement, il était prévu pour reboiser. Pour répondre que nous avons dit tout ça pour combler la vie de la déforestation et la maquille. Aux monde. Mais est-ce que Boris Johnson a tellement toi Kagame qu'il a préféré prendre une portion de l'argent, financer le Rwanda qui n'a pas de forêt. Et du coup, le projet a stagné. Écoute-moi, ma conflit, oh, tout ça. Et pendant ce temps-là, on attend. Mais au moins, le gouvernement avait pris soin. Nandenga Mokondia Mboka, qui a coinstruire. Il y a qu'on instruit et pas un président, un ministre qui a environnement et à ça, nini, ayeba, n'a qu'on ça la liste et ba, 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 nani, ba, ben, on y ba, concession forestière ou ba, tu ba, somba, donc ma entreprise est somba, n'a ou et tigana, ma boko à l'état, pour ba, ba, n'a qu'on ça, ni ba, n'a qu'on examine, ni ba, qu'on y a, ba, partenaire, tant qu'on va, qu'on y a, n'a financement. Il y a un peu qui instruit par le président de la République pour à ça, nini, pour ayeba, n'a qu'on ça, ba, enquête, n'a yé. Na 2021, on enquête à IGF Bandeko Balandi à Chancellor Tchela News et il faut déboucher sur, en tout cas, qui mouille du moko ya souka na mokina de monate na Congo. Donc, tous ces premiers ministres qui sont succédés là,
Moutnam-Tossal de son mieux aïba quand même l'État en vendant illégalement des concessions forestières. Là. Rapport à IGF Zaki présenté dans le mois d'avril 2022. F. Bazaïba a joué qui a gros. Aïe, Koloba, non, n'est-ce pas que les sanctions et bananini et banaokoya pour stopper les cambo oyo. Sinon, on ne réussira pas à lutter contre des ventes illicites, mais aussi déforestation et la forêt équatoriale, et le bassin du Congo. Parce que le bassin du Congo, c'est un fleuve Congo, le bassin du Congo, c'est un Gabon, c'est un Congo Brazza, c'est un Angola, un Pendambu, et que dans mon côté, il y a un Cameroun. Au ce moment-là, donc, pourquoi c'est tout le bassin du Congo, c'est pas parce que ça porte le nom du Congo que c'est la herbe. De ces noms et qui est aussi comme les cannabis, comme nous avons au mais la bonne partie réside à la Congo. Alors, tant que j'ai rappelé ce rapport, n'aille tout à suco ma cambo, j'ai fallu ma camboza à somme rapport en air. J'ai tant aux acquis publié bas en bas américain bas une possession n'a rapport bas tangi et bas monique à bas projet bas au bazar qui n'a pas pour la Congo pour la voyage pour financer ça vaut plus la peine. Parce que Bazamba ba, ba Congo a son amour et belleté. À moins que le Congo a manifesté volonté que non, a récupéré qu'on a eu au Baibi, pour Congo on a confiance. Sinon, ils ne viendront plus. Et donc, c'est financement qui a été décidé dans l'Écosse, sauf dans G20, wana, et pour ça, maté. Bah, comme en Indonésie, je ne parle pas du récent G20. Je parle du G20 au Fatia Zaki invité. Alors, peuple congolais, yoka. Bah, qui mouille bien l'équipe. Qui mouille bien l'équipe. Vous voyez que comment les arbres ont une place inhabitée et l'équipe a place habitée dans l'ébélé. Si vous voyez une place inhabitée dans le Congo et l'équipe a place habitée dans l'ébélé. Mais vous voyez ce qu'on dit comme les arbres ont une place inhabitée dans les arbres. Les arbres ont une place inhabitée, tout ça. Alors, Moutouali Bosso, peuple congolais, vous voyez que vous épinglé dans le cadre du rapport de l'IGF Ezali, Claude Nyamugabo. Claude Nyamugabo, vous voyez que même. Ministre et environnement pendant Ilukamba, mais Azaki fait gouverneur na Kivu Kuna. Soit qu'il y a Nord Kivu T, veut dire na Sud Kivu. Na on peut s'amener sur l'information dans quelques minutes ici. Azaki entre Sud Kivu na Nord Kivu, Azaki gouverneur Kuna, peuple congolais. Alors, tant que l'on Kuna, on va se faire minene. Tant que l'on Kuna, Asanini, aye, a wazaka député. Si nous avons député national, Nakati a parlé du peuple wana. À sa députée. Alors, dans le cadre de la FCC, Nenge Bazaki, dans la coalition de Fachi, dans le début du mandat de Fachi, il y a Bazaki ministre, il y a environnement. Alors, peuple congolais, oh, il y a sali dans un an, et l'équipe, oh, tous les autres premiers ministres ont fait depuis toutes ces années. 2012, matin, la pomme, on a ti, 2019. Oh, il y a moi comme toi, sali, l'équipe, 7 ans, on a un pillage. Dans le bac, on a dit plus grave, on a dit qu'on a un message, on a dit qu'on a un temps, on a. Il y aura ma ramener les autres dans le conseil de ministre. Zamba Sunga. Nazo a information à conseil de ministre. Le président ordonne la suspension de tous les contrats de concessions forestières douteux. Dans sa communication au cours du conseil de ministre de ce vendredi, le président a annoncé avoir été saisi par plusieurs plaintes des irrégularités enregistrées dans l'octroi des concessions forestières. Le chef de l'État a particulièrement épinglé les 6 concessions forestières de près de 1,4 milliard hectares attribuées en septembre 2020 par l'ancien ministre de l'Environnement et Développement Durable, Claude Nyamugabo, à une société. Ceci en violation du code forestier qui impose une limite maximale de 500 000 hectares par entreprise et aussi en violation du moratoire sur l'attribution des nouvelles concessions forestières en vigueur depuis 2022. Peuple congolais, je suis un peu plus malin. 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 Ba mikanda na ezali entaché d'irrégularité. Mikanda na eto si mibeko ambokate. E viole mibeko. Soko tiki batu ango to ba entreprise ango ba ko ba ko exploite zamba. Kongo ko finir ko perdre ba zamba na ye nyonso. Kota li kambo ango. Oye ba na ko sosu na nenge ezo ko li kakuna makamoni ezali. Moko nyamboka tango abo aki misu na bo siki siki. Aye komona ete mwana mobali wa bengi na kombo ya Claude Nyamugabo.
faut pas confondre avec Nyarugabo. Parce que ça c'est pour vous pousser à comprendre que les gens de l'Est là ne sont pas clairs. Nyarugabo, Nyamugabo, allez-y comprendre. Mais hier, comment on a eu Nyarugabo? On a eu un Kivu, kaka. Donc, on a eu Nyarugabo, on va se faire un Kivu. Comment on a eu un Ubangite, on a eu un Kivu. Alors, peuple congolais, Nyamugabo a violé Mibeko. Normalement, Mibeko a mboka na oye talipote ki zamba, ezo kolo baete, entreprise. Soke l'inye somba zamba, ego somba zamba, na bonene ya 500 000 hectares, pas plus. Mais ba yo kosula ete na 2020, ndeko Nyamugabo oyo ateki 1 million. On gana yo ba kalkul te. Zwa 500 kuna ko multiplié par combien pour epesa 1 million 400 000. Hein, peuple congolais? Beta nga kuna oyebinga ndeko na kalkul na linga maka mwa na za kuna te. Donc beta kuna na on a commentaire yeb sangai 1 million 400 000 hectares. Et ça 500 000 combien de fois? Non, 1 million, je pense que 1 million, ils ont déjà 2 fois 500 000, 4, donc tout à l'heure, tu as 3. Tout à l'heure, tu as 3 fois. Donc, Nyamugabo a eu violé le peuple congolais, ou les alliés, ni, ou les alliés, ni, ben, combo, qui est allé ici. Mais ce que tu as dit, pourquoi qu'on violé? Parce qu'il y a un ministre dans la vie. Pourquoi pour acter qu'il y a eu qu'on a convoi à l'État, qu'on a violé le peuple à l'État? C'est qu'il y a un pourcentage de l'Assima, c'est qu'il y a un intérêt ou qu'il y a un cachet sans que je ne dise pas. Dans la lecture, il y a un cabot qui dit qu'il y a un conseil des ministres qui a été fabriqué. Félix Tshisekedi a ainsi demandé à la vice-première ministre de l'Environnement et du Développement Durable, F. Bazaïba, de faire un audit technique et financier de toutes les concessions forestières en RDC. En attendant, Félix a ordonné la suspension de tous les contrats douteux. Il a demandé à F. Bazaïba de faire un état des lieux techniques et financiers de toutes les concessions forestières en RDC, de suspendre tous les contrats douteux en attendant les résultats de l'audit et d'en faire rapport au gouvernement lors de la prochaine réunion du Conseil de ministres. Pour rappel, Bisika Makabebe Biango, Bisika Barwande Bakoti, Banani, tout ça, Mboutou Moutekoti, Yoka. Pour rappel, toujours en septembre 2020, Claude Nyamugabo avait également attribué 600 000 hectares de concessions, toujours en violation du moratoire et des lois de la République. Il a attribué 600 000 hectares de concessions forestières dites de conservation. Yoka, hein? Quand on dit conservation, on a yeba ke ba mine zakuna pétrole zakuna gaz zakuna yango ba bike ba conserver wana mo ba exploiter il faut ba mesure ya sika yeba ke ba na ba mesure we existe ka déjà veut dire ba étudier mieux son nos ba monde que impact négatif ezate likolo ya mboka ne ba osa nini ba ko yeba na ko to pe risque ya ke soki ba exploiter yango ko fiko ko embraser coin wana ya mboka to pe ko dégringoler makam na ndenge ya mabe alors essayer ba préserver yango ba conserver yango yoka. Pour rappel, toujours en septembre 2020, Claude Nyamugabo, kabiliste mounene, avait également attribué 600 000 hectares de concessions forestières dites de conservation dans les Maïndombe et l'Équateur à l'établissement Bouhenoua. Yoka Kombo. Bande quoi est-ce que vous avez dit dans les commentaires Bouhenoua et l'Inkolobani. Et ça, on a un peu de temps. On a un peu de temps. Yoka, Bouenoua basé à Goma. Donc, société ou babengi topé établissement ou babengi Bouenoua oyo, azalaka na Goma. Hein? Azalaka na Goma. Et pa inaye, ndende ko Claude Nyamugabo, aye bati ko teka 600 000 hectares. Donc, yate ka ka o dela ya ba loue ya mboka. So, babi 500 ya ke na 600. Babi 600 ya ke na 1 million. Po mboka eza ya ba koko na bango, basa nango o bango ba lingi. Yango li kamba bwe bwa na chance to waka na prezon aza pasteur. Po so la ki na prezon wama bout ou bino bo si o vivre te. Ozo mwa li kamba. Bo ti ya mboka na danger. Se forêts là sont des sources et bonheur ya ba Congolais si ils sont bien exploités pour
pour les Congolais. Mais bino bokomi bakumo bino bakabli c'est bon na rekwa boza tellement ba intouchable. Bino bokokeli Congo alors que bino ba biya ya ba riviste mon boye bokuti Congo na bo mengo na ye. Congo epesi bino nyoso boza nango bokomi minene boye ki ba mi tropical lokwa ba biso yo bokomi minene. Bosuka kana wati bokomi ko manquer respect na Congo ba esu no boteka 500 000 euros boteka 600 000. Zela na ke na mon malé mais pour boza bien choqué. Yoka cette entreprise ne serait qu'un prête nom. Hein? Combo ya nyongo, combo ya ko defa. Hmm? Balobi, combo penza penza ya entreprise oyeza yango na te. Bon, combo na oyeza combo ni. Ah! Il y a encore des gens qui vont venir ici, tu te dis, "Ateki boka bon." Est-ce que vous comprenez même de quoi il s'agit? Est-ce que vous arrivez même à comprendre même? Est-ce que vous arrivez, surtout bané on arrive à TikTok, est-ce que vous arrivez vraiment à comprendre de quoi il s'agit? Sans vous comprendre, bon, bana bana, la porte comme toi, c'est comprendre madame. Parce que nous on est encore accusé, tu sais qui dit. Mais vous ne voyez pas les dangers qui guettent les pays avec cette histoire ici. Vous ne voyez pas. Non seulement au niveau de partenariats internationaux, mais au niveau de l'insécurité. Nakati ya Congo. Je refuse toujours de pouvoir propager des images au bazar de Congo central, au Kangi, au Botswana, au Congo, au Congo, au Botswana, au Contact, au Mutu, au Basundu, au Nandela, au Kimi, au Beti, au Masasi. Ce n'est pas une bonne image pour mon pays. Mais tant qu'il y aura des gens non identifiés qui achèteront des forêts, des hectares et des hectares, peuple congolais, auprès des insouciants, des inconscients et des infiltrés en mode congolais. Insécurité aussi la tête. Insécurité aussi la tête. La Keina bande la place pour échoquer nous, madame Balobi. Pour rappel, en septembre 2020, Claude Niamugabo avait vendu. Du peuple congolais avait attribué 600 000 hectares de concessions forestières dites de conservation dans les Maïndombé et l'Équateur, s'il vous plaît, à l'établissement Bouende à Goma. Cette entreprise ne serait qu'un prête-nom d'après certaines organisations de défense de l'environnement. Mamaya Kinamam. Avant de continuer, na épingle na nous prête-nom. Au moins, il y a des Congolais qui font office des Rwandais, qui se présentent comme étant des Congolais, mais qui achètent des hectares pour les Rwandais. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il y a des gens qui vont infiltrer, qui vont présenter dans le peuple congolais. Hein? Va présenter, va infiltrer, oh, bah ça, nini. Bazo somba, ba terrain, na niveau, donc, bazo zinga aéroport, y'a Ndjili boui. Bonsoir, pour Bazinga, aéroport, et dit dans les parages aéroports. N'a pas document officiel à Batoua Sombi, comme Baba Congolais. N'a pas colo terrain, bah Rwandais. Hein? N'a pas colo terrain, bah Rwandais. Ils en a bloqué mon sous Rwandais kabiliste. Hein? Peuple congolais. Y'a un autre monde à que. Tout le monde a dit tout le monde a quoi monter où tu vas pio. Tant qu'on ne va pas retrouver les Nyerere Mbororo, soi-disant éleveurs de Michopi, tant qu'ils ne seront pas retrouvés, insécurité pour nous aussi la tête. Donc, on a dit que c'est ça. Mais il se peut que les propriétaires, il y a 600 000 hectares rwandais, qui ont acheté et qui ont permis à ces Rwandais-là, éleveurs, soi-disant, de venir s'y implanter, s'asseoir. Et récemment, il y a eu encore des nouvelles vaches, peuple congolais, au Bassanini, Baya qui pour encore renflouer 600 000 hectares, peut-être, pour Bafanda, Bafanda, ça va activité dans Bango. Donc, les 600 000 hectares n'appartiennent plus à la RDC. N'appartiennent plus à la RDC. Ça appartient à une entreprise qui n'a pas de nom. Parce qu'on dit ici un prête non. Donc comme on a yé mon quoi yé banité, vous t'as 100 000 600 hectares, comme on a 600 000 hectares, comme on a yé banité. Et puis bon, tu sais que c'est ça la magie. Eh, tu sais que dit, à te qui m'a oyo, tu sais que dit, à sali boye, eh, tu sais que dit, à sali boye, bouena boye, bouena boye. Ah ah. Ah ah. Peuple congolais. Donc, ba premier ministre, yon so, banda matata. Olongwena matata o mati, zaki nani muzito, so ki nani. Olongwena o mati, okay, na ba oyo, ba yaki na 2016, nani, badibanga, okay, na chibala, okay, na nani, na ilukamba,
Ok, donc on l'a dit wana. Bango tout wana basa impliqué. Au monde. Si en 2020, déjà qui n'a pouvoir baso continuer maintenant parce que pourquoi il jouissait de la soi-disant majorité dans le parlement et donc le premier ministre était issu de leur camp et le ministre de l'environnement était aussi issu de leur camp. Vous comprenez pourquoi des boulonnages qui important pour nous. Hein? Nyaruga Bozaki ministre de l'environnement pour les comptes du FCC. Pour les comptes du FCC peuple congolais. Hmm? Bango tout ba bienvenue Lyota, soki Lyota. Batona nyoso wana ba batimba la banani zilazina zo ba komuna moko bomona ke bakamboza ya masekite ba ancien ministre ya environnement. Donc voyez ba que quand on est en train de réfléchir banani bazo ko tia insécurité na mai ndombe, notez qu'une bonne partie ya zam na mai ndombe n'appartient plus à l'État, n'appartient plus aux Congolais. Ils ont appartenu à des étrangers jusque-là non autrement identifiés. Ce qui fait en sorte que l'insécurité est mata. Parce que si vous avez besoin de vous faire, des milliers d'hectares, vous avez besoin d'individus qui sont en train de se faire. Et vous avez besoin de vous faire, vous avez besoin de vous faire, vous avez besoin de vous faire. On a comment ba toi kabiliste ba planifier déstabilisation encore pour plusieurs années en Burkina Faso. Et Kabila n'a pas honte de venir nous dire que non, débauchage. Débauchage alors yo nomay tiba la den. Yo Kabila Joseph ou comme ça Bruno tiba la premier ministre den. Etienne Tshisekedi wa Mulumba avant sa mort, après accord à Saint-Sylvestre, décembre 2016, un accord a été signé entre la majorité et les pouvoirs de Kabila pour n'aller pas na ko glisser mouké. Un gouvernement d'union nationale allait être composé pour planifier les élections dans les un an qui suivent ou qui suit. Yo Kabila, tu vas nous dire que la liste est à trois, parce que tu sais que Etienne Atigara, liste est composée de trois personnes. Dans les trois personnes, il devrait quelqu'un d'entre eux ou une personne devrait être nommée premier ministre. Bruno Tshibala ne faisait pas partie de la liste. Parce qu'à l'époque, il y a quatre prisons. On connaît l'histoire de ces pays. Donc, Babylon va venir le couteau de l'Ekassou. Donc, on continue au Tanga. Donc, on continue à avoir connaissance en Bokana. Il y a aussi un Basoussouté. Bruno Tshibala en prison. Tu vas nous dire quoi? Que Etienne Tshisekedi wa Mulumba avait laissé le nom de Bruno Tshibala sur la liste? Hein? Tu vas nous dire ça? Il y a un nom qui est quand tu parles de débauchage. Yoka Soni, papa. Yoka Soni. Même Badi Banga, que tu as nommé premier ministre. Bon, qu'il y a Edem Kodjo. Ou il y a qui a qui médiateur. Il y a Togolais, il y a qui na cité à l'Union africaine, dialogue, ben en dialogue à l'Union africaine. Et ben nego ça makuna. Kapol Luko s'est maintenu dans le pouvoir. Est-ce que Badi Banga était l'homme de la situation? Est-ce que Badi Banga était l'homme de la situation? Non. Non, on débauchait Badi Banga, on débauchait Bruno Tshibala. Alors tu n'es pas mieux placé à reprocher Tshisekedi. En plus, Tshisekedi n'a pas débauché les gens. Tshisekedi a lancé des consultations nationales et des gens ont eu peur de ne pas rentrer dans le chômage comme nous autres. Babini Ntoke Nakati a une autre. Tshisekedi ne les a pas débauchés. Non. Non. Au second. Alors, ba ministre Union Soro et Environnement, ba travaille pour l'enrichissement et Kabila Oye. Peuple congolais. Kabila Tiga Kokanisa Bangote. A Tiga Ko s'inquiéter pour la gestion de Bangote. A Tiga Peu pour interpeller Bangote. Et puis c'est normal parce que Kabila ne tenait pas les conseils des ministres. Ne venez pas. Dans les 18 ans, Yemoko Loko, la présidente de la République, a présidé qu'à sorti 7 conseils de ministres en présentiel pendant 18 ans. Tu sais qu'elle n'a moins de 5 ans, comme il y en a 111e, sur 110e déjà. Ce n'est pas pour venir pour faire plaisir à Yemoko Loko, c'est parce qu'il veut faire les suivis des dossiers. Au moins, il n'a pas la gestion et un boka. Tu sais qu'elle a tangité, tu sais qu'elle a zaboué, tu peux m'aider à zawapi. Mais tu sais qu'elle dirige mieux que quiconque. Et puis les gens qui disent tu sais qu'il y a tangité, attends wapi tout ça, je pose la question. Kabila tangawa. Kabila yemo boliba tangawa. Hmm? Et puis les gens qui postent des photos de Natsen en parenthèse mouké, qui postent des photos de Kabila, oh tangazaki mona mouké, et pas Laurent Désiré, bonaboué, on refuse pas. Mais est-ce que cette mère-là qui est sur la photo, là, c'est sif, hein? Cette femme qui est sur la photo, on a autre monde, Joseph Kabila, son Baba Rakeza, yenga na évité. Joseph Kabila, Moussou Janet, Moussou Nabanan pour éviter. Maintenant, les restes là, il n'y avait pas Zoé là-bas. Les restes des 8 enfants là-bas, Kendawa. Bah, moi, on a raté Kendawa. Et puis, la femme qui est sur la photo là, est-ce que c'est Sifa? Hein? Les gens, ils nous prennent tellement pour des cons qu'ils veulent nous manipuler. Donc, quoi, Nzunga, Fufu, Babalou, Sindetine à gauche, Babalou, Sindetine à droite.
Tata Mia. Moi maintenant, moi, ma Lili. Hein? Naminite, on ne doit plus être surpris de l'insécurité dans les mains Indombé. Parce qu'on connaît maintenant pourquoi il y en a. On comprend maintenant pourquoi il y a insécurité là-bas. Aux hommes, au Teki 600 000 hectares d'abattoirs, origine inconnue, identité douteuse. Diana, on a continué, hein, peuple congolais. Dame, moi, quoi, Ebi? Nata Gaba Combo, il y a ma ministre de l'Environnement plutôt. Oh, bah, c'est succédé, ouais, non? Ndeko Nyamugabo, na 2020. Na gouvernement, il y a Cash FCC. Nde Yazalaki, ministre de l'Environnement. Alors, ma ministre Moussouswa, Ami Ambatobe Nyongolo. Ye Azalaki Oyo, ministre de l'Environnement, na gouvernement, ya Bruno Tshibala. Robert Bopolo Bogeza. Zambi. Bogeza, Azalaki ministre de l'Environnement, na époque ya Matata Ponyon. Nani, bienvenue Lyota, ministre de l'Environnement, na Matata Ponyo 2. Ati Kabongo Kalonji, ministre de l'Environnement, na Sami Badibanga. Et puis Franck Mouedi, Malila Apenela, intérimaire pendant quelques mois. Du 5 mars au 9 septembre 2019, le gouvernement est à Bruno Tshibala. Donc, dernier gouvernement, tant au Fatih Akoti, va suspendre le gouvernement. Et comment il va les a gérés au niveau de la présidence, tout ça, mais il y a qui. Na bangonyon sona moutou na moutou a teki. Maximum 6 concessions de manière illégale, peuple congolais, auprès d'une entreprise non autrement identifiée. Et l'argent au ba teke li ba concession na. Batikali ko retracé en gros na kati ya caisse ya l'état. Quand j'ai parlé des 6 communes, je disais qu'il y a plusieurs projets du genre. Au sud de Ija famille à côté na Mozindo. Pour à comprendre ce qui se passe. Au moment là que 6 communes les a partout, Kimouyi, Douana, détournement, tout ça eza partout. Eza partout peuple congolais. Eza bala la kati malin toujours pour ça que zo kené. Ma vérité est horrible. Maintenant, à l'heure où nous vous parlons là, na vendredi prochain, F. Bazaïba a co-présenté rapport, il y a une enquête en parallèle à OIGF Apesaki, a présenté rapport na yé. Or, je vous informe que Bazaïba avait déjà son rapport. Parce que quand elle est arrivée au pouvoir, elle a pris soin de pouvoir répertorier combien sont des concessions achetées illégalement, légalement, et combien appartiennent aussi actuellement à l'État congolais. Donc, elle va remettre au peuple congolais en ordre toutes ces choses-là et elle va présenter ça le vendredi prochain au président de la République. Les conséquences de si jamais Nyamugabo était impliqué. Déjà, parlement qui a une session en vacances, donc Bakotia n'a bureau pour siéger. Sans que parlement siège extraordinaire, bureau qu'au siège, les verbes à immunité, poursuite judiciaire. J'espère qu'on se comprend. Le problème, c'est que tous ces gens ici qui achètent de. Les Congolais qui acceptent des commissions pour aller se présenter comme étant des propriétaires, il y en a ni, il y a un terrain, et quand ils se présentent comme ça, bah sombi, bah pessi, bah rwandais, bah pessi, bah ougandais. Bazo continue qu'on se peut plus à la carte ya Congo et après on se plaint. FRDC, après aussi sincérité. Oh, vous-même, civil, député, ministre, vous êtes là pour renforcer d'une manière ou d'une autre l'insécurité à vos niveaux. Et bon, libo, c'est la carte. FRDC, Azo Kokate, FRDC, Asalibo, FRDC, Azo Komakara, Mbotonabino, Bosalino Sobo Craché, Bosalino Sobo Craché. Ouais, Abino, pas la responsabilité, vous avez assumé un côté. Vous avez assumé un côté. Ça va de pair avec ministre et affaires foncières. Ça va de pair avec ministre et affaires foncières.
combien sont de Rwandais qui se permettent d'acheter des terrains ici dans le Bakiango, dans Djibie, dans Masinaï, dans Mbakanaï, dans Séléo, dans Manakwamute, dans Maloukoué? Combien sont de Rwandais qui passent par les billets de Congolais pour acheter ces terrains-là? Mais donc, quand ma ministre va contempler ma femme dans Goumé, ma tante est vive, ma d'autres est vive, ma femme est comme une nienne, comme une bonne, comme une terrain, comme une kango, tout ça, ma femme dit. Pendant ces temps, le Rwandais continue à multiplier des actes qui ruinent la paix et la sécurité des Congolais. Bon, je l'ai fait à mais pas comme ça. Non, vous aurez idée. Sauf que vous dit, ma émission, tout ce que vous faites, c'est vous acharner sur nous. Or, on vous met en garde. On vous met en garde. Mais moi aussi, je suis bon. Nous sommes à Bolato, soit la dame de Kouani. Pour nous, on a un bon. Bon, 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 on a un bon. Parce que nous sommes à Bolato, soit ça nous prend un lit. Parce que tu as la même classe sociale. Tu as un lit. Tu as l'idée de servir au Congo. Tu as servir binomoko. C'est ça notre souci. Affaire foncière, combien sont de Rwandais qui font les mêmes opérations? Le quoi des bassins dans le niveau de la forestière? Hein? Et demain encore, on va pleurnicher. Parce que vous savez quoi, le risque qu'il y a dans tout ça, c'est que l'État arrive au niveau Yako s'imposer et récupérer des forces, toutes ces concessions-là. Or, récupérer des forces, ça veut dire que ceux qui ont acheté peuvent aussi utiliser des forces dans le niveau de la Bango pour créer équilibre dans le rapport des forces entre eux et les Congos. Or, si derrière eux, il y a des occidentaux, le roi Banyamulenge va en avoir soutien aux occidentaux par exemple. Au moment là, souvent que ça va balancer contre nous, peuple congolais. Hein? Ça va balancer contre nous. Pas pour nous, contre nous. Or, il y avait moyen de prévoir tout ça et éviter que ça n'arrive. Mais comme on n'a que des cupides dans plusieurs secteurs, il y a Bokamba, Miyambo, Kanabiso, au finish, peuple congolais, on ne cesse de pleurer. Boka koufie, eh boka saliboué. Mais vous ne comprenez pas, mon consul de place, yo fandi, wana bakabili, c'est basi bateka. Donc, il y a le bakabili azonga, azonga, bravo! Azonga pour yako récupérer, n'a pas qu'on a au batiké da yo. Héritage la famille, basi bateka, le pan, on a yo ébarate, basi bateka. Mikanda yo simia les ailes, ou ta basi bateka, on yo ébarate. Mon consul, on a yako dégéapio yo. Eh, nzambe, tu sais qu'il y a dégéapio nga te, tu sais qu'il y a te. Bakabili, c'est bateka à l'époque, place yo fandi, yo ébakite. Les bateaux bas sont bas bengano pendant que tu sais qu'il est arrivé au pouvoir. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, il y a ma cambota les sécurités, peuple congolais, tout partager émission, bas de quoi bas quantité, bas et bas la cocota, tout continuer pour se battre pour n'en boire cannabis. Bas risque de ce que vous avez arrivé, les autres pays sabino, ils ont facilité. Au moins, bas médias de vous n'avez pas suivre. Yo journaliste ni yo chaîne ni yo chaîne boy. Bas chaîne botan dans la baya, car jamais vous ne savez nous ma cambota. On a le conseil des ministres. Ils ont gâté, ils ont conseil des ministres contre le ministre, mais on a autour le bas. Hein? Mais combien sont vos médias qui ont 200 000 abonnés, 250 000 abonnés qui en parlent? Parce qu'ils sont préoccupés à ça, bah, polémique. Mais quand c'est pour les pays, bah, on va t'arrêter à Bouna Bango. Tant qu'on a le bloc à Oli, à Ponaïe, c'est le plus important. Attends, va te couper à Pétaliété. Au moins. Oh te, yo chen nini, ete, yo chen wene fwa kota, bonabo. Non, non. Le plus important, ce n'est pas le nombre d'abonnés, c'est le contenu des informations. Et aussi l'objectif poursuivi en donnant ces informations-là. Hein? Dossier sécurité à Bande Kobalandia, c'était News Bitumba, Ezo Kokoba na Este Kuna. Bato ya opposition na kono bango na code mais bino na yemi ke bozade ya bato ya mayele aussi bo capté bato ya opposition plan machiavélique na bango et si esambwe peuple congolais et si esambwe igwe asi azui ba précaution à partir ya mokolo bino bano bino ba makiwana si à l'infini sous haute surveillance ba précaution si ezwa maki. Sécurité renforcée. Na maluko wa kino na kwa muti. Na baki mo kunyamboka okende kuna mkwezo woyati. Tango mo kunyamboka okende. Bato bako kende kuna. Bako prepare terrain. Tango prezida ko zonga bango bako tika na kakuna. Maintenant le Congo, le gouvernement, sait maintenant où se situe la sécurité.
où se situent les points focaux de l'insécurité, surtout en ce qui concerne Kinshasa, Bandundu, Congo central. Hmm? Alors, bah, tout ce que va au Sanini, bah, au Massou, bah, l'on est bah, donc, tout est sous contrôle. J'ai dit ça pour que vous compreniez. Comprenez surtout ce que vous comprenez là. N'allez pas au-delà. Comprenez surtout ce que vous comprenez. Bemba récupère ma camion sur ma boue. Hein? Dans le ces pays, il faut ma camion. Dans le bas, il y a la semaine de l'eau au ces pays, assez abandonné par examen. Il y a un rapport au gouvernement congolais à Pesaki. Dans l'observation, il y a mon procureur à Salaki. Mais aussi, il y a eu une ONG canadienne en 2020 qui avait officiellement porté plainte contre quelqu'un que vous aimez beaucoup là. Hein? Bah pourtant qui plainte contre eux pour un crime de guerre, crime contre l'humanité. Plainte en étant dans ces pays. Plainte sur Anna, ils sont dans ces pays. Peuple congolais. Alors, pour moi, Kindenge, tu as dénoncé ça qui m'a commencé. Bah très très. Alors bien, comment on est na Kangi. Retenez à ce ça va FRDC. Boye baete, tozali kaka na commandant suprême moko. Pourquoi il va dire ça? Parce que les FRDC savent que commandant suprême est Tshisekedi. Pourquoi il va dire ça? Hein? Les FRDC savent que les commandants suprêmes c'est Félix Tshisekedi. Maintenant, pourquoi tu es à Kolobango na Mungongo ya likolope na Kanda na Motema denga no bakiwana? Ça ne vous dit rien, Bandeko? Ça ne vous dit rien? Hein? Ah Seigneur Jésus Christ. Alobi yango parce que ba commandant suprême Moussousou. Ba botamaki en parallèle. Hmm? Oh ba nomo ba généraux sur base ya ba crime ba généraux ba sala. Azaki lieutenant, azalaki hein boye tout ça. Akenda ki mission moko boya bomi boye, abomi kuna, abomi shebeya, abomi nan tout ça ali ba matisi grand. Ba musu ba kenda ndolo e ba kangi bango ba ba kenga kenga tout ça ba kangi bango. Hmm? Ba kangi bango. Alors ba koma ba généraux pas parce qu'ils ont respecté le cursus militaire non. Ba koma ba généraux parce qu'azaki mwana bitinda ki ya mutu songolo. En guise de récompense ba nommé général. Parce qu'au Congo, c'est clair que Nathan Wakabi, on ne devenait pas général parce qu'on en avait l'ossature. Non. Parce que moi, général, pour ma cop. Parce que regardez, par exemple, vous voyez, Sangani, Bosco Taganda, sergent dans l'armée rwandaise. Au Kabila, le Golikuna, il y a général dans le Congo. Ça prouve à quel niveau infiltration et comment qui mode d'emploi et mode de vie il y a Kabila dans l'armée en Bokanabiso. Mais quand tu dis ça, c'est parce que ces généraux-là continuent à être redevables à un individu au détriment de celui qui est actuellement le commandant suprême de ces généraux de l'armée congolaise. Et du coup, en étant toujours redevables à ces individus-là, ils commettent des actes qui vont à l'encontre des ordres et principes qui régissent l'armée. Alors, Tshiwewe, qui a tellement digéré des choses que ça, il n'est plus en mesure de continuer à digérer, il a pris soin de pouvoir les dénoncer. Mais la vérité ici est que ils seront révoqués dans les jours qui viennent. Parce qu'ils ont pris part à beaucoup de choses mauvaises contre la République et contre les pouvoirs en place. Ils seront radiés de l'armée. Pas seulement ça. Ils n'iront pas en dolo. Donc, il y a ma prison, il y a ma civile. Et puis, dans ma calaté, donc, il y a ma prison. Parce que c'est ça le souhait de tout le monde. Donc, il y a ma prison. Ils ont tellement détruit les pays. Ils ont tout donné pour anéantir le Congo. Maintenant, il est temps que le Congo donne tout pour le neutraliser aussi. On se plaint de comment les FRDC n'arrivent pas. Mais on ne se pose pas la question comment les mêmes FRDC sont arrivés à faire quelque chose à l'époque des Kabila. On ne se pose pas la question et on ne remet pas en cause la version des Kabila. On ne remet pas en cause parce qu'on est juste des gens qui soutiennent des mensonges. C'est tout. Tu sais qu'il n'a pas nommé des généraux, oh général, non. A changé chef d'état-major, adjoint, titulaire, c'est tout. C'est tout. Mais le même FRDC, Wana, quand on est représentant, en 2013, Balonga qui bitumba. Bitumba ni Balonga qui. Yosa preuve, Balonga qui. Yosa preuve.
Ils ont la preuve. Ils ont la preuve. Et les mamans ont la preuve. Ils ont la preuve. On a posté, je crois, dans TikTok. Permettez à ce que je retrouve cette vidéo-là. Parce que trop c'est trop. Si nous avons mis sur Mingi, beaucoup aussi peu Mingi. Quand on veut que tu aies mon cas de l'oba, que armée, infiltration et l'équipe niveau obstocanisana. Et l'équipe niveau. Il y a encore ceux qui disent non, tu sais que les moutons qui n'ont pas M23. Non, M23 a quoi milice ou les autres tenir en respect. Il y a un accord entre Congo et Rwanda. Quand on dit Congo et Rwanda, il y a aussi ceux qui se disent Congolais mais qui sont Rwandais en vrai. Et le M23 sont financés par toutes ces catégories différentes là. Ok? Alors à chaque fois que les étapes au sein de l'accord ne seront pas respectées par ceux qui viendront au pouvoir, le M23 ressurgiront. Avec l'objectif de mettre suffisamment de pression sur des autorités en place pour pouvoir obtenir quoi? Yoka reportage. Le 23 mars 2009, le gouvernement congolais signe un accord de paix avec une milice pro-Tutsi. Aujourd'hui, vous mettez derrière vous la culture de la guerre, la culture de la violence. 3 ans plus tard, le 6 mai 2012, d'anciens rebelles du Congrès national pour la défense du peuple, CNDP, intégrés au sein de l'armée congolaise, se mutinent. Pardon. 3 ans plus tard, 2009-2012, Batouya, Congrès national défense du peuple, le peuple rwandais certainement, CNDP. C'est mitune au sein de l'armée. Donc, Bakotisi Bango na Katia armée. Yoka bien. Na évité ça n'a pas republié vidéo na YouTube, na Facebook, na TikTok, lissous, na TikTok de Ezali, ba TikTok boke ko luka ngobo mona ngokuna. Yoka, na bande la vidéo. Yoka. Le 23 mars 2009, le gouvernement congolais signe un accord de paix avec une milice pro-Tutsi. Aujourd'hui, vous mettez derrière vous la culture de la guerre. La culture de la violence. 3 ans plus tard, le 6 mai 2012, d'anciens rebelles du Congrès national pour la défense du peuple, intégrés au sein de l'armée congolaise, se mutinent. La plupart de ces soldats sont issus de minorités rwandophones. Ils accusent le gouvernement de marginaliser la minorité ethnique Tutsi présente au Congo, ne respectant pas les clauses de l'accord signé le 23 mars 2009. Le M23 est né. Arsenal ici, nous sommes capables de combattre pendant même 5 ans sans reculer. Les rebelles sont équipés, ils font reculer l'armée congolaise et s'emparent d'une grande partie de la province du Nord Kivu. En novembre 2013, les habitants de Goma fuient, le M23 s'est emparé de la ville. En décembre, les rebelles sont finalement chassés de Goma. Le mouvement est dissous dans le cadre d'un accord de paix régional. Pardon, pardon, Mathieu pause. 2013, novembre. Bah, M23, bah, avant en novembre, bah, occupé Goma, population Akimi. Ce qu'on a novembre 2013, là, bah, M23 bah, s'est retiré de Goma sur un accord régional qui a été signé. Pourquoi cette version de l'histoire n'a jamais été rappelée au Congolais? Pourquoi personne n'en parle? Pourquoi? Parce qu'ils savent la vérité. Parce qu'ils savent la vérité. Nazo bande la cause na passé na bande po e ko tabino bien. Motika bolo ngana mutu na na parti ya lelo, bolo ngoya mutu no ke FARDC a gagné M23 na 2013. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Accord régional signé en Ouganda, à Entebbe na Ouganda. Sous les auspices ya ancien président ya Nigeria. Diana Tcha, viens là. Le problème c'est que. Bon, donc, comme que l'image est floue. Moi, Diana Tcha, pour les vidéos, les audio, les vidéos. Mais même si je mets ici pour le monde, c'est parce que l'image est floue. Mais dès que j'ai fini ici, je poste cette vidéo intégrale sur la chaîne. Bien sûr, nous allons partager avec les musiques. Pendant toi, Baba, Bana, le Kuta, Baba, tu vas voir qu'elle était. Et tout ça. Non! Non! Hein? Yoka. Part d'une grande partie de la province du Nord Kivu. En novembre 2013,
habitants de Goma fuient, le M23 s'est emparé de la ville. En décembre, les rebelles sont finalement chassés de Goma. Le mouvement est dissous dans le cadre d'un accord de paix régional. Les membres du M23 sont alors désarmés et déplacés dans des camps en Ouganda. Mais le gouvernement congolais promet, il réinsérera les ex-soldats. Près de 10 ans plus tard, fin mars 2022, les rebelles quittent leur camp et attaquent l'armée congolaise. Ce mouvement récidiviste. Bon, donc, Eza, au fait, synthèse et Alicam. Gana et Sarabino Tamonion, quand tu sais qu'il dit qu'il ne va pas signer des accords, quand il dit qu'il ne va pas dialoguer, c'est parce qu'il sait que ça n'aboutira à rien. Aux autres, Alicam Nenge Bandi, 2009, c'était d'abord CNDP en 2009. Quand il y a eu des accords et des promesses entre le gouvernement et ces fameux Rwandais du CNDP, CNDP comme parti politique, et Botim Balamoko M23, mouvement où ils ont veillé à contrôle, peine à exécution, il y a accord au bas signé en 2009, le 23 mars, dans le gouvernement congolais. Donc M23 a une mission à Kosi Mamindou qui peut défendre l'accord Rwanda. Et c'est que les Rwandais vont s'intégrer dans moins les pignons et les Congolais. Sauf que les autres vont continuer à Kobunda. Et en 2013, à cause de la pression, le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de revenir à un nouvel accord. Et ils ont signé un nouvel accord avec le M23. Bah, M23 va s'y retirer. Maintenant, ils pensaient, parce que certainement que Kabila a réalisé qu'il y a un mot, de 2013 à 2019, à 2018, soit Kabila a réalisé qu'il y a un mot, il n'y a pas ressurgir les sous. Mais comme ils ont vu que ce qui est arrivé, c'est que l'État était d'accord pour signer, qu'on a été d'accord pour ça, n'est-ce pas, pour que le Kabila a signé qui? Et puis, si on a eu un peu de ressurgir à l'époque de Tshisekedi, on a eu un peu de exiger respect à l'accord il y a 2009. Donc, si on a eu Tshisekedi a dit qu'il y a eu un accord, il y a M23 comme un parti politique allié à pouvoir, et comme on a eu un peu de milice, pour continuer. Donc, nous, on sera en train de servir le Rwanda. Mais Kabila prétend remettre en cause la qualité à armée. Il prétend. On parle ici de brassage. Ils ont été intégrés au sein de l'armée congolaise. C'est ce qu'on appelle brassage et mixage. Le mélange. Mais il y a encore certains de nos compatriotes qui ont tellement la tête vendue et qui n'ont pas, au fait, tous les systèmes de la tête ne fonctionnent pas. Qui disent Kabila Jamba, Kabila Fiambi, Kabila Boinaboui. Vous comprenez? Alors, si Kabila veut parler, qu'il commence par nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé en 2009, en 2013, nous voulons savoir comment Mwangashush est devenu sénateur et ensuite député. Qui a voté pour Mwangashush? Nous voulons, c'est tout ce qu'on veut savoir. Si Kabila veut parler, qu'il commence par là, et après il pourra sortir tout ce qu'il veut comme un héri, on aura les oreilles pour écouter. Mais s'il ne sait pas nous dire ce qu'il a fait de notre pays avec ses partenaires du M23, je pense pas qu'ils sont en mesure de reprocher quoi que ce soit au Congolais. Au moins, Kabila Moko, bah accord là-bas M23, Kabila Moko côté là-bas terrain là-bas espace forestier et pas là-bas ni et pas là-bas Rwandais. Et pas là-bas, tout le monde non identifié. Et aujourd'hui, on s'étonne de comment il y a Kingakat dans les mains d'Ombe. Et en plus de ça, il y a aussi insécurité dans les mêmes mains d'Ombe. Hein? Peuple congolais. Nous encourageons Jean-Pierre Bemba. Igwe Toza Simanayo. Quand on a 2006, on a tant au pouvoir et Zouami. Bemba, ne moutoua. Azu Bokonzie. Eh, Bouena Boye, tout ça. Bemba Moutouazu Bokonzi. Eh, comme ça, Zena, on a épinglé à vous. On a épinglé, on a TikTok pour battre bas CP. Oh, Bemba. Yende, Azu Bokonzi. Allez, Bitumba, il y a story 3 jours, souki 6 jours, et éclaté dans Kinshasa. Au finish, il n'avait pas de choix. Akansara, ok, CP, il pourra vivre. Kimiatia aussi, ça Bokonzi. Hein? Mais ce qu'il est temps. Qui yo pose peut-être vengeance na yo ya ya. Peut-être qu'il est temps. Toi si manayo igwe. Toza vraiment si manayo ya mobimba. Toza si manayo. Lo kwana no baby si toza si manayo. Ko baby sa to bwa ka opi. Ne ka za ya ngo wana.
aux hommes. Donc, lobby peuple congolais de Tumbe, Koba qui kati na banya Rwanda, ya M23, au bazo bundi sa bande on a biso ya autodéfense. Autodéfense a réussi à récupérer village ya Kaira na ya Butale, vous allez voir na kati ya territoire ya Rutshuru, à Kuna na niveau ya Nord Kivu peuple congolais. Territoire au village au ya Kaira na Butale oyo et ça qui occupé jusque vendredi dernier ici par les Banyarwanda. Alors vendredi na poko na butu butu ba wazalendo ba koti si bolai ba koti si ba esprit ba bundisi ba butu tuti tonga lobi samedi na ba 15h ba récupérer les deux villages wana atzo ko ba bitumba ezo ko se poursuivre toujours kuna wazalendo azo ko senga ete mikondi ba pesa e ba moyen nyonso we sengeli po aiba na ko mettre fin na likambo o ya bitumba oyo parce que FRDC a dit infiltré comme le gouvernement ne peut pas compter sur les FRDC que le gouvernement a peut-être ngo ataba moyen o bazana ngo besoin po bango baza déterminé ya ko eba na ko bulisa bango na biso zo mo ali kamo ninge zo ko kenza peuple congolais ngana aussi a cet été pour mi konti mo ba yebi ba enquête sengeli ko sala mako na ko éviter pour éviter en tout cas à tout prix que makamo ninge zo kende na boye suka et sous Kamabé, pour Bawazalen de Toyoki, qui est mon quoi, bien, nous avons commis pro M23 de Toyokaki. Bon, bah vrai Wazalen de Baïbani. Baïbani et Nikondi Mouébine, Nikokutana Bango, et Nana Pes Nangawa d'État, et tellement Borekonetaki Bango Bazali, bah réserviste. Donc, Mouébi Sika Bazali, Mouébi, c'est qu'ils peuvent faire pour le pays. Donc, nous vous encourageons à faire les Kamana pour nous mettre fin à l'insécurité, à l'Est et à Mboka, à Bissot. Donc, on peut mettre l'élection, on a matata pour que Katumbi, Kabila, on mal à popularité, on mal à positionnement. On a dit que nous avons créé tout au milieu de la Nakati. Mais ceux qui ont fait la vigilance, c'est pour ça que raison. Mais il faut tout mettre en œuvre en ce moment où nous parlons pour éviter que l'homme n'ait les bases ou raison sur le peuple congolais. Tokati, deuxième partie à l'émission, Tokutani, peuple congolais, dans 40-45 minutes. Pour nous poursuivre, na dossier Mwanga Chouchou avec des nouvelles révélations. Arrestation, il y a Moko, il y a un commissaire provincial, il y a un comparaître qui, la semaine, madame mardi, ti, vendredi, quand il y a un comparaître, il y a une nouvelle information, la troisième partie, pour nous fausses informations. Donc, il a proféré des faux témoignages. Tout ce qu'il a dit était faux et le ministère public a outil au Salini pour découvrir Yango Makamwe Baby. Donc, dans 45 minutes, s'il vous plaît, pour nous poursuivre.